la firme patio. Salpagate, cosito y el Nous recevons sur ces plateaux la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, pour une communication importante. Bonsoir, Madame Tina Salama. Bonsoir, Madame Yvette. Oui, pouvez-vous nous livrer les contenus de ces messages? Avec plaisir. Ordonnance numéro 20/062 du 1er juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État dénommé la réserve stratégique générale. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 009/003 du 30 janvier 2009, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 2 et 3, vu le décret numéro 20/016 du 20 mai 2020, portant dissolution de l'entreprise publique dénommée Réserve Stratégique Générale en sigle RSG, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Titre 1er, des dispositions générales. Article 1er, il est créé au sein du cabinet du président de la République et sous son autorité un service spécialisé dénommé Réserve Stratégique Générale en sigle RSG, ci-après désigné la réserve stratégique. La réserve stratégique est régie par la présente ordonnance et par les textes organiques du cabinet du président de la République, non contraire. Article 2. La réserve stratégique a son siège à Kinshasa et exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Il peut être établi à la demande du coordonnateur et par décision du directeur du cabinet du président de la République, des antennes provinciales et des bureaux locaux de la réserve stratégique en tout autre lieu de la République démocratique du Congo. Article 3. La réserve stratégique est chargée notamment de la promotion du développement et de la mise en œuvre de la vision du président de la République dans les secteurs agro-pastoral, industriel, commercial et social, en particulier en matière des produits dits stratégiques. À ce titre, et sans limitation, elle détermine le cadre de cette vision, le projet y afférent, le lancement, le suivi et le contrôle de qualité des études et des travaux de chaque phase du projet, la sélection des divers partenaires pouvant concourir à sa mise en œuvre. Pour ce faire, la réserve stratégique a notamment pour mission de 1. Étudier, analyser et questions lui soumises par le président de la République en rapport avec les secteurs susvisés et des produits stratégiques. Proposer à ce dernier toute stratégie, tout programme, tout approprié sur la question. Assurer le suivi et le contrôle des décisions prises par le président de la République en rapport avec ces matières. Tenir un fichier constituant une banque de données techniques sur le produit stratégique. 3. 2. Constituer des réserves des produits stratégiques par la production et ou l'achat en vue de permettre à l'État de faire face à des situations de crise, de pénurie, de calamité, des calamités naturelles et des catastrophes. 3. Assurer ou promouvoir la production agro-pastorale et industrielle des produits de première nécessité. 4. Distribuer suivant la République en gros et en de ces produits en fonction des besoins de. Article 4. Dans l'accomplissement de sa mission, la réserve stratégique collabore avec le gouvernement, les services spécialisés au sein de la présidence de la République, ainsi que les institutions, organismes, associations, partenaires, personnes physiques opérant au niveau local et international, avec des missions similaires ou intervenant dans le champ de ses activités. Article 5. La réserve stratégique est placée sous l'autorité directe du président de la République, de qui il reçoit les orientations, directives et instructions, et à qui il rend compte de sa mission. Il tient le directeur du cabinet du président de la République informé de ses activités par un rapport trimestriel.
Les membres de la réserve stratégique sont tenus à la déontologie et au régime disciplinaire du cabinet du président de la République. Titre 2, des structures de l'organisation et du fonctionnement de la réserve stratégique. Chapitre 1er, des structures. Article 5, la réserve stratégique fonctionne avec les organes suivants, le comité de pilotage, la coordination, les directions et antennes. Section 1, comité de pilotage. Article 6, le comité de pilotage est l'organe d'orientation et de surveillance chargé d'assurer le suivi permanent de l'exécution de la mission de la réserve stratégique. À ce titre, il est chargé notamment d'assurer le respect strict de la lettre et de l'esprit de la mission confiée à la réserve stratégique, de veiller à l'atteinte de ses objectifs, des objectifs de celle-ci, d'approuver le plan de travail, la feuille des routes des activités de cette dernière, son budget et d'assurer de leur mise en œuvre. Article 7, le comité de pilotage est composé de deux délégués du cabinet du président de la République, de membres de la coordination de la réserve stratégique, d'un délégué de la primature, d'un délégué de chacun des ministères suivants, budget, finances, agriculture, pêche et élevage. D'autres intervenants peuvent être invités à des réunions du comité de pilotage si les circonstances l'exigent. Le comité de pilotage est présidé par le président de la République ou son délégué. Les rôles des autres membres du comité de pilotage sont déterminés dans un cahier des charges à élaborer par le directeur de cabinet du président de la République. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés la liste des présences et le procès-verbal de la réunion faisant foi. Pour leur participation aux réunions du comité de pilotage, les membres de celui-ci ont droit à une collation dont le montant est fixé par le directeur de cabinet du président de la République. Section 2, coordination. Article 8. La réserve stratégique est dirigée par un coordonnateur assisté de trois coordonnateurs adjoints qui forment tous ensemble la coordination. La coordination exécute les missions de la réserve stratégique suivant les orientations arrêtées par le comité de pilotage et la stratégie proposée par les différentes directions. Elle se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l'exige l'intérêt du Conseil sur convocation et sous la présidence du coordonnateur qui en fixe l'ordre du jour. Le coordonnateur et les coordonnateurs adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République. Les directions assistent la coordination dans l'accomplissement de ces missions. Article 9. Les coordonnateurs assurent la direction, organisent et supervisent l'ensemble des activités de la réserve stratégique et rend compte de l'activité de la coordination directement au président de la République par voie, selon le cas, des notes, d'avis ou des rapports. Ils leur présentent sur le plan juridique la réserve stratégique dans ses rapports avec les tiers. Il la rend de conseil spécial du chef de l'État et est soumis au régime administratif et rémunératoire, au même régime de déontologie et de discipline que le conseiller spécial du président de la République. Les coordonnateurs exercent le pouvoir disciplinaire sur les membres de la réserve stratégique, autres que ceux de la coordination, et fait adopter par celle-ci un règlement intérieur spécifique de la réserve stratégique applicable à tous les membres de celle-ci, excepté les membres de la coordination qui relèvent, eux, du règlement intérieur du cabinet du président de la République. Il ordonne, dans la limite des crédits budgétaires et dans les stricts respects de la réglementation budgétaire, les dépenses de la réserve stratégique et surveille la comptabilité. Il statue par voie de circulaire. Le coordonnateur dispose d'un bureau restreint composé d'un assistant, d'un secrétaire particulier, d'un chauffeur et d'un garde du corps. Article 10. Les coordonnateurs adjoints assistent le coordonnateur et assument son intérim en cas d'absence ou d'empêchement par ordre de préséance dans l'acte de nomination. Ils ont chacun rang de conseiller principal du chef de l'État et sont soumis au même régime administratif, disciplinaire et de rémunération que ce dernier. Ils sont chargés respectivement des questions opérationnelles, techniques,
administratives et financières et exécutent toute autre mission que peut leur confier le coordonnateur. Ils disposent chacun d'un bureau restreint comprenant un assistant, un chauffeur et un agent de sécurité. Section 2, les directions et antennes de la réserve stratégique. Article 11, la réserve stratégique fonctionne avec des directions techniques centrales, des antennes provinciales et, le cas échéant, des bureaux locaux qui sont implantés à travers la République. Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement des structures visées à l'alinéa précédent sont déterminés dans un règlement intérieur que la coordination de la réserve stratégique soumettra en ayant 30 jours à compter de la signature de la présente ordonnance à la signature du directeur de cabinet du président de la République qui fixera par voie de décision. Section 3, du personnel. Article 12. Le personnel administratif de la réserve stratégique comprend les cadres et agents ayant appartenu à l'ancienne réserve stratégique générale en tant qu'entreprise publique, conformément à la réglementation en vigueur régissant la substitution d'employeurs pour cause de transformation. Ce personnel sera régi selon les catégories par les textes organiques du cabinet du président de la République et toutefois, la réserve stratégique peut aussi, en cas de besoin, employer un personnel qualifié, recruté suivant les procédures transparentes et non discriminatoires, lequel personnel sera régi soit par le code du travail, soit par un contrat de consultance. Titre 2, des ressources. Article 13. Pour son fonctionnement, la réserve stratégique bénéficie d'une dotation émergente du budget de l'État. Son patrimoine est aussi constitué des dons et autres subventions, ainsi que de tous autres dons actifs, crédits, biens meubles et immeubles, biens corporels, incorporels, ayant appartenu et ayant été alloués ou affectés à l'ancienne réserve stratégique générale, dissoute par le décret numéro 20/016 du 20 mai 2020, lesquels crédits ou biens sont ainsi transférés à la réserve stratégique. En tant que service spécialisé, du cabinet du chef de l'État, en même temps que les obligations de l'ancienne réserve stratégique. Dans un délai de 3 mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la réserve stratégique devra dresser l'état de la situation de ses ressources qui pourront s'accroître de tout autre bien ou fonds mis à sa disposition pour son fonctionnement. Titre 4. Des dispositions abrogatoires et finales. Article 14. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 12. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 1er juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, 1er juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguier-Lébérand, directeur AI. Ordonnance numéro 20/063 du 1er juillet 2020 portant nomination des membres de la coordination de la réserve stratégique générale en sigle RSG. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 18/093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance 19/008 du 5 mars 2019, spécialement son article 3, vu l'ordonnance numéro 20/062 du 1er juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé la réserve stratégique générale en sigle RSG, spécialement ses articles 1er, 5, 8, 9 et 10. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, sont nommés
en qualité des membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Réserve Stratégique Générale, RSG, en sigle, aux fonctions, on regarde leur nom, post-nom et prénom, les personnes suivantes. Madame Bidiafou Makedi-Kadadi, coordonnateur. Monsieur Kizito Muyembi, trésor, coordonnateur adjoint en charge des questions administratives et financières. 3. Monsieur Mboui Mundela Didier, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques. 4. Monsieur Kabamba Ilunga Nestor, coordonnateur adjoint en charge des questions opérationnelles. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 1er juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 1er juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguier-Lébérant, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/069 du 9 juillet 2020 portant admission à titre posthume dans l'ordre national et renationaux Kabila Lumumba d'un magistrat. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 84, vu la loi numéro 009/002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national et renationaux, tel que modifié et complété par le décret-loi numéro 0/12/2003 du 30 mars 2003, spécialement en ses articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu les décrets numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqué à travers les loyaux et éléments services rendus à la nation congolaise au sein du pouvoir judiciaire, en toute fidélité et abnégation tout au long de sa carrière pour la concrétisation d'un véritable état de droit, soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du respect au devoir patriotique démontré par le concerné jusqu'au sacrifice suprême de sa personne, vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. Est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur Monsieur Tambwe Wakaniki, matricule B001-110, magistrat du siège. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 9 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Colonguier-Lébérant, directeur AI. Ordonnance numéro 20/070 du 9 juillet 2020, portant admission à titre posthume dans l'ordre national et renationaux Kabila Lumumba d'un magistrat. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 84, vu la loi numéro 009/2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national et renationaux, tel que modifié et complété par le décret-loi numéro 012/2003 du 30 mars 2003, spécialement dans ses articles 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu les décrets numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement du
de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé remarqués à travers les loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise au sein du pouvoir judiciaire, en toute fidélité et abnégation tout au long de sa carrière pour la concrétisation d'un véritable état de droit, soucieux de récompenser à titre posthume le sens élevé du respect au devoir patriotique démontré par le concerné jusqu'au sacrifice suprême de sa personne, vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. Est admis à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade de chevalier. Messieurs Yanni Ovungu, matricule D001-458, magistrat du siège. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 9 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colombier-Lébérante, directeur de cabinet AI. Il me bat Dieu.